Eh bien bonjour à tous, c'est Coco. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Evolution Link, je crois, histoire de faire le titre correctement. Alors, la dernière fois on avait fait le duel Joey contre Mei qui... je disais qu'elle était prise en possession, mais... on avait fait jouer contre Mei. Alors que les monstres sèment la panique dans toute la ville, la population tenait Keba et Keba Corp responsables de cette invasion. Je pense que quelqu'un essaye de me faire passer pour un idiot. J'ai travaillé dur pour restaurer la réputation de cette entreprise. Cela ne peut pas durer. Seteur, regarde notre base de données. Il y a quelqu'un qui a racheté toutes les parts de notre entreprise. T'as raison, Michael. Bah, si ces chiffres sont exacts, presque la moitié de Keba Corp viennent d'être achetés par une personne et ce n'est pas fini. Comment est-ce que c'est possible? Qu'allons-nous faire? Nous devons l'arrêter. S'il achète davantage de parts, il prend le contrôle de toute l'entreprise. Attends, il n'y a qu'une personne capable d'un coup pareil. Keiba et Makuba se rendent au royaume de Delis pour affronter Pegasus. Montre-toi, Pegasus. Ah ah ah, ton impatience ne cessera jamais de m'amuser. Et toi, tu es toujours aussi pénible. Que nous veux-tu, Pegasus? Je ne suis pas tout à fait moi-même en ce moment, ce temps-ci. Oula. En fait, je parle au sens propre du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Surprise, j'attends ce jour depuis longtemps, cher Keiba. Je peux savoir qui tu es? Mon nom est Amelda. C'est l'heure du duel. Cette carte magique va te changer. J'active mon sceau. Encore? Qu'est-ce que ça? Nous enfermons ici, nous serons enfermés ici jusqu'à la fin du duel. Une fois que je t'aurai terrassé, pardon, je pourrai sortir. Tu n'auras bien sûr pas la même chance, Keiba. Que veux-tu dire par là? Lorsque tu as perdu, ton âme sera emprisonnée pour l'éternité. Laisse sortir mon frère, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune idée de celui à qui tu as affaire. Détrompe-toi, tu n'es qu'un avis de petit punk aussi pathétique que son père adoptif. Oh là, c'est violent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Personne ne peut me comparer à lui et en sortir vivant. Et espèce de vipère, comme toi. Mes histoires de famille ne te regardent pas. Bien au contraire, elles me regardent de près. Cela va faire 7 ans aujourd'hui, un jour que je n'oublierai jamais. Des chars sont arrivés et m'ont volé mon frère. J'ai rapidement découvert qui était le responsable. Kusaburo Keiba, c'est ton père qui m'a fait ça. Tu diriges à présent son sinistre empire et tu es aussi coupable que lui. On joue en premier. Peut-être de le garder pour la... pour la fusion, une fusion qui se fait. Ouais, bah ça m'arrange pas ça. Ah si, ça peut m'arranger. Si je fais ça. Non, ça peut m'arranger. Je voudrais pas la moquer lui. Ah ouais, c'est un tour près. Là combien? 1600. Bah puis j'ai perdu son effet, c'est un flip.
de faire des conneries. Bon allez, on peut prendre du... Ça m'arrange pas de le perdre, lui. T'as l'équipe? Oh, oh bah si, tiens. Il me sera d'avoir le truc. Ça y est, putain. Merde. Mais d'accord. Voilà, c'est un épisode rapide. Après le duel avec Almelda, Kaiba se rend à l'illusion industrielle, l'entreprise de Pegasus, pour trouver des réponses à ses questions. Il rencontre Yugi et ses amis. Kaiba? Formidable, aucun signe de Pegasus? Non, j'ai peur qu'il ne soit trop tard. C'est exact, crois-le ou non, May Valentine est arrivée ici avant nous. Elle a volé son âme avec un truc d'Orichak. Pegasus. Pas tout à fait. Ce n'est qu'un hologramme. Cher Yugi, en tout cas, j'espère que c'est bien toi qui as retrouvé cette pièce. Si tu entends ce message, cela signifie que ceux qui veulent mon âme ont réussi à me capturer. Alors je t'en prie. Écoute attentivement. Tout a commencé quand un homme mystérieux a essayé d'acheter mon entreprise. Mais ce n'est pas du tout. Cet individu possède... C'est pas français. Tout a commencé quand un homme mystérieux a essayé d'acheter mon entreprise. Cet individu possède une puissance ancestrale qui dépasse tout ce que je connais. Il s'appelle Darth. Qui est-ce? Il essaye de ressusciter les bêtes les plus terribles que le monde ait connues, le grand Léviathan, en canalisant les âmes d'hommes et de créatures. S'il réalise son plan, Darz libérera une puissance destructeur. Le monde n'a rien vu de tel depuis 10 000 ans. Le temps presse, mes chers petits monstres disparaîtront bientôt, ainsi que le reste du monde. Tu es le seul à pouvoir sauver les pauvres créatures qui ont rendu mon jeu célèbre. Bon, on enchaîne le deuxième parce que c'était court, hein. Allez, on fait une exception, on fait le deuxième. Joey se lance dans la poursuite d'un voleur Varon. Je connais ce type, c'est lui qui a volé May. C'est bien ça. Je veux que May revienne. En quoi ça me concerne? Elle est capable de prendre des décisions par elle-même, tu sais.
C'était vrai jusqu'à ce que tu... que vous laviez le cerveau. Non, pas du tout, c'est bon. Tu comprends pas, personne ne lui a lavé le cerveau, mais il nous a rejoint de son plein gré, et tu sais pourquoi? Elle en avait ras-le-bol d'être dans l'ombre, que vous étiez sous les projecteurs. Alors je suis intervenu pour que ça change. Tu lui as aussi monté la tête, je le sais, c'était l'une des meilleures amies. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle a dit des choses que May n'aurait jamais dites. Réveille-toi, Joey. Je t'ai amené ici pour me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. May ne sera jamais heureuse quand tu seras. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui rappelles en permanence son ancienne vie et May veut oublier tout ça. Mais tant que tu feras partie de ce monde, elle en sera incapable. Je suis là pour me débarrasser de toi pour de bon. Et je sais qu'au fond, May t'aime encore. Et je ne supporte pas. Hey Joey, on se fait un duel ou pas? Enfin, comme si t'avais le choix. Je n'ai jamais refusé un défi, encore moins quand c'est bon mal pour mes amis. Mais je connais pas son deck à lui. Oh putain, j'ai un rite à faire. Pourquoi pour le rituel? Je sais pas si on peut invoquer un monstre. Oh merde le con. Oh faut être con. Bah oui j'ai pas pensé mais... Bah je sais pas si ça... Je sais pas si c'est Reborn en... Qui c'est Reborn? Bah elle va pas bouger. Bah je sais quoi, un monstre, une carte magique. Un monstre, non, là. Genre j'ai deux. Peut-être faire une connerie de faire ça. Bon, on verra bien. Hop. Putain, il me tarde de foutre Jinzo sur le terrain. Pas grave. Oh merde, c'est grave.
Bah il me tarde plus. Si je mets lui en défense, je mettrai James après. Ouais, pas con. Pas con, pas con. Vas-y. Ah, je peux pas. Bon, faut numéro 2. Je sais pas ce que c'est, mais. Moi ça la veine. Ouh, pas vu lui. Lui non plus, je l'ai pas vu. Mais c'est pas permis, il y a des trucs. Bon, vous m'arrangez pas les gars parce que. Elle en est propre. Ce que je vais jeter. Je vais en mettre un, mais je sais pas lequel. 2400. Toi, vas-y. Je vais le récupérer avec un. J'ai envoyé les deux en fait, je peux le dire. Allez, tiens, vas-y, active. Monstre. Envoyez un monstre depuis votre main. Ou terrain au cimetière du type. Oh, c'est du terrain ou du main, ça me va. Je sais pas ce que ça va faire. Ouais, ça commence à faire 5 000, 6 000 quasiment.
Aïe. Ouais, tu peux, il y a des marges. Ah mais j'ai rien à sacrifier. Oui, tu es actif. Ouais mais non. Ça sert à rien de sacrifier ça, je perdrai tout. Ah bah je pourrais peut-être. Non, je suis censé pouvoir bannir, j'ai marqué. Pour revenir en arrière, ça c'est un truc pas tard, hein. Non, c'est précisé que je peux bannir du mission. Ah, c'est pas grave. Voilà. Non, tu appelles personne, ça suffit. Oui, allez hop. Activer. On sacrifie. Hop, celle-là. J'ai mis que je ne joue pas. Voilà. Non mais. Tu as réussi, tu as gagné. Adieu. Tout est de ma faute. Tu n'as pas à t'en vouloir, mais je suis le seul responsable de ma défaite. Je pensais que si je gagnais, je pourrais te faire oublier ce Joey. Mais je comprends maintenant pourquoi il était si important pour toi. Il a du cœur. Ah! Regarde qui l'Oriclair m'a capturé. Mon ancien employé. C'est maintenant à Mademoiselle Valentine de me procurer une âme. Ou de renoncer à la sienne. Comment a-t-il pu faire ça? Varon m'a appris à me battre pour moi-même. C'est alors qu'il a décidé de t'affronter pour me protéger. C'est pitoyable. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Quoi? Varon m'avait peut-être énervé, mais il ne méritait pas de se faire voler son âme et d'être rendu prisonnier par son psychopathe avide de pouvoir.
Je ne souhaite ça à personne. Ah, tu sais quoi, mais tant que ce truc contrôlera ton esprit, je ne pourrai pas te faire entendre raison. En fin de compte, je n'ai qu'une seule solution à te sauver. Je dois t'affronter en duel. Sauve-toi toi-même, je me débrouille très bien sans toi. Tu n'as pas retenu la leçon. Si tu t'ennuies, tu en finiras dans un monde de souffrance. Je comprends tout maintenant, mais tu as oublié la véritable signification des duels. Mais je suis là pour te le rappeler. Ce que l'âme a des cartes. Si tu crois pouvoir me donner des conseils sur les duels de monstres, tu perds ton temps. Exténué par son dernier combat avec Varon, Joey est incapable de terminer le duel. Félicitations, tu gagnes. Je suis trop fatigué pour terminer. Tu te rends compte, je n'ai même pas attaqué, donc tu n'as pas perdu ce duel. Je ne laisserai pas... Je sais pas quoi t'emmener. C'est trop tard, j'ai déjà perdu ce duel. Impossible de revenir en arrière, mais je suis content que si l'un de nous doit perdre son âme, que ce ne soit pas toi. Bah trop tard, il est parti. Mais se libère de son influence de Darth, mais l'âme de Joey est capturée par machin. Comment ai-je pu être si égoïste? Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et comment puis-je te remercier en t'abandonnant pour suivre un fou qui m'a promis de donner du pouvoir? Je vais lui faire regretter le jour où je vais le rencontrer. Oh non. Oh merde. Il a perdu le duel. Ça veut dire que son armée est donnée aux mains de Proud. Down. Voilà, bah nous on s'arrête là pour aujourd'hui. On aura fait deux duels pour changer un peu. Moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. Il nous reste exactement 3 duels pour finir la série. Et après on ira sur GX. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Salut tout le monde.